Depuis le 22 février 2021, la règle de la limite des 5 victoires consécutives dans Question pour un champion sur France 3 a été supprimée. Bien peu de candidats ont cependant réussi à dépasser cette barre symbolique. Mais qui sont les plus grands gagnants du jeu? Voici le classement. Si est sûrement le jeu le plus célèbre de France. Question pour un champion est diffusée sur France 3 depuis le 7 novembre 1988. D'abord présenté par Julien Lepé, celui-ci a dû laisser sa place le 20 février 2016. Le journaliste Samuel Etienne lui a ensuite succédé à partir du 22 février 2016. Pendant des années, il était impossible d'avoir un parcours de longue durée dans le célèbre jeu. Après avoir remporté 5 victoires, le champion remportait le montant de la cagnotte et devait quitter le jeu. À partir de 2006, la version hebdomadaire du jeu, Question pour un super champion, permettait déjà aux meilleurs candidats de l'histoire du jeu de revenir s'affronter pour gagner jusqu'à 150 000 euros. Cet exploit n'a été accompli que par 3 champions, Christophe, Hakim et Hervé. Question pour un champion, la nouvelle règle chamboule le classement des plus grands gagnants mais depuis le 22 février 2021, une nouvelle règle est apparue. Comme si est-il le cas dans la plupart des autres jeux télévisés en France, comme les 12 coups de midi, tout le monde veut prendre sa place ou le grand slam, il est désormais possible pour les champions du jeu de rester indéfiniment, tant qu'ils ne sont pas vaincus. S'il est possible de dépasser les 5 victoires depuis cette date, ce n'est arrivé qu'à de très rares reprises, 9 fois pour être précis. Voici les 9 champions et championnes qui ont réussi l'exploit de remporter au moins 6 fois à Question pour un champion. Le classement des plus grands champions du jeu de France 3 Newton degré 1, Nicolas avec 18 victoires pour un gain de 27 300 euros entre septembre et octobre 2022 Newton degré 2, Aude avec 14 victoires pour un gain de 22 900 euros en mai 2021 Newton degré 3, Camille avec 8 victoires pour un gain de 28 300 euros entre mars et avril 2022 Newton degré 4, Mathieu avec 8 victoires pour un gain de 21 700 euros en septembre 2021 Newton degré 5, Pierre avec 8 victoires pour un gain de 16 000 euros en mai 2022 Newton degré 6, Elodie avec 6 victoires pour un gain de 18 300 euros en juillet 2021 Newton degré 7, Guillaume avec 6 victoires pour un gain de 15 000 euros en mars 2021 Newton degré 8, Cédric avec 6 victoires pour un gain de 13 500 euros entre juillet et août 2021 Newton degré 9, Barbara avec 6 victoires pour un gain de 12 000 euros en mars 2021 à lire aussi Twitch, question pour un champion, combien ça rapporte? Samuel Etienne se confie sur son salaire.